Bonjour, la toute jeune association Château de Blain Événements organisait les 23 et 24 mars à Blain son premier salon du livre au logis du roi au château, un salon dédié aux auteurs de la région. Une trentaine d'écrivains a répondu présent pour cette toute première édition. L'association a été créée en septembre 2012. On était plusieurs amis avec les propriétaires du château et on s'est aperçu qu'en dehors de la saison estivale où la partie publique est ouverte l'été, en dehors de cette saison estivale, il n'y a rien sur le site et il y a beaucoup de gens qui se promènent le week-end. Le dimanche, on voyait plein de monde, mais sans but en fin de compte, on regarde le château puis on repart. Et on s'est dit, si on pouvait faire des animations, donc ce sont des auteurs de qualité et... on a quand même Louis Houry, je ne sais pas si vous connaissez Louis Houry. Il a quand même été nominé pour le Goncourt, certaines années, qui est là, qui est venu. Et puis la plupart sont des gens simples et sympathiques. On va dire, il y a celui qui aime le livre, qui va discuter. Puis autrement, il y a celui qui était venu se promener, tiens, il y a quelque chose. Oh, il rentre, il regarde, il repart. Bon. Mais ça, on voit ça partout. Hein. Alors moi je suis venu présenter des livres, des petits livres sur l'histoire de la Bretagne que j'écris depuis plus de 30 ans. Et ça me change un petit peu de la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale. C'est le thème que d'ordinaire sur lequel je suis disons le plus reconnu, notamment le maquis de Saffré. Mais par contre j'ai beaucoup de plaisir toujours à travailler sur l'histoire de la Bretagne au Moyen-Âge. J'ai travaillé avec mes élèves sur ces questions-là, et puis je les ai un petit peu romancés, un peu racontés dans des petits bouquins, et c'est la raison de ma présence ici. Je pense que c'est bien, effectivement, que dans la région, il y ait des gens qui aient le courage de monter des initiatives comme celle-là, et surtout dans le domaine du livre, qui est quand même un domaine, je dirais, sur le plan professionnel, qui est très fragile. Donc il faut un certain courage, il faut féliciter les organisateurs et espérer qu'ils fassent école dans la région. Et les organisateurs du CBE comptent bien transformer cet essai et proposer chaque année un salon du livre à Blain. Ils organiseront également désormais un rassemblement de véhicules anciens le premier dimanche de chaque mois.